perturbatrice. J'ai peur, j'ai le trac, j'ai honte, je n'ose pas, je me dévalorise. Ça génère une émotion, de la colère, de la frustration, du ressentiment, de la rumination. Voilà. Donc l'émotion, c'est ce qui nous dit où nous en sommes avec cette situation et cette personne à un moment T. Là, si alors je devrais demander une augmentation, mais j'ose pas. J'ose pas aller voir mon chef demander une augmentation. J'y vais pas. Qu'est-ce que je ressens? Ben, je ressens quand même de la colère. Oui, mais c'est vrai, je devrais ne pas avoir à demander, hein, quand même. Je bosse bien, voilà. Colère, frustration. Ben, on est frustré parce que quand on sait qu'on devrait faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, frustration. On a un peu honte aussi de dire, oh là là, putain, on est encore là, avoir peur, avoir honte d'aller demander à ton droit quelque chose qui te revient de droit. Donc toutes ces colorations émotionnelles, elles nous renseignent sur nos croyances. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important, quand on est débordé par une émotion, la colère négative, hein, parce que si on est débordé par la joie, tout va bien, mais une émotion négative, colère, tristesse, honte, ressentiment, rumination, hein, irritabilité, et vous pouvez décliner à l'envi. Eh bien, quand on se sent vraiment pris, envahi, perturbé par ça, il faut juste nommer l'émotion en question, faire un arrêt sur image, et se dire, là je me sens en colère, là je suis vraiment en colère, ou bien là j'ai honte. Mais le fait, et ça aussi c'est mesuré, hein, c'est pas juste un petit truc, c'est-à-dire que le fait de nommer, d'identifier et de nommer l'émotion qui nous envahit, qui nous perturbe, nous permet de nous décoller de cette émotion et donc de faire retomber la charge de stress et donc le brouillage des idées. Parce que dès qu'il y a stress, dès qu'il y a émotion envahissante, il est évident que le système cognitif ne fonctionne plus. Et là, on peut être son pire ennemi en étant dans la réactivité, en prenant une décision très rapide juste pour se soulager de la tension intérieure, et on peut marquer contre son camp. Donc on va nommer l'émotion, je suis en colère, je suis triste. Et ensuite, on va questionner cette émotion, et c'est là qu'on reboucle avec les croyances. Si cette colère, si ma colère, si ma honte, si mon embarras, si ma frustration pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Alors si ma colère pouvait parler, par exemple, dans le cas de cette augmentation, elle dirait « Non, mais c'est pas possible, tu en es encore à te retrouver, exploité, avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur, etc. » Et donc là, on peut agir sur à la fois l'acte à mettre en place, ça va nous mobiliser pour aller demander cette augmentation, parce qu'on voit bien qu'on a tout un système de croyances qui est derrière cette émotion. Donc on va dire « Ben oui, là, tout ce que je dis, le patron qui devrait, enfin, tout ce qu'on se rend compte, et qui est peut-être vrai, et qui est sans doute vrai, mais peu importe, c'est notre position qui compte. Donc, le fait de décliner ce qu'il y a derrière l'émotion dans cette émotion, on va s'en détacher et on va pouvoir agir dans le sens de nos intérêts plus calmement. Une fois que ça retombe, la colère, on va dire, ok, bon, mais maintenant, tu es grande, tu vas aller la demander, comment tu vas faire? Et c'est comme ça qu'on va... En ayant décodé tout ce que contient le processus émotionnel, on va voir tout ce qu'il y a dedans, tout ce que ça contient, et donc on va pouvoir calmement penser à la meilleure manière d'aller dans le sens de nos intérêts, donc demander cette fameuse augmentation.